tutoriel de peinture ethnique. La dernière fois, c'était très simple, là, ce que je vous avais dit, là, c'était simplement de faire des plusieurs couches de bleu, de rouge et de jaune en alternance jusqu'à ce qu'on obtienne un teint un peu plus foncé qu'un bébé caucasien. On évitait le nez, on évitait les lèvres, on évitait les oreilles. On évitait aussi la paume des mains et la plante des pieds. Donc ici, moi, ce que j'ai fait, j'ai donné 8 tours de couleur primaire plus une couche de rouge pour atteindre un résultat qui est un petit peu plus foncé. Là. On voit un peu la démarcation là, avec la paume de la main puis le pied, la différence de couleur. Donc, vous pouvez en faire plus si vous souhaitez, pas de problème. Essayez pas d'obtenir tout de suite la couleur finale, mais si vous voulez quelque chose de plus foncé, vous pouvez faire plusieurs tours de plus, là, il n'y a pas de problème là. Donc, on passe à la seconde étape maintenant. Moi, comme je vous avais dit la dernière fois, j'utilise les ombres à paupières. Vous pouvez le faire avec la peinture, mais je ne vais pas vous le montrer moi, dans le tutoriel avec la peinture parce que j'ai pas vraiment réussi à avoir des ombres qui sont lisses, qui n'ont pas de démarcation, etc. Là, pour moi, j'ai trouvé la méthode avec les ombres à paupières vraiment plus facile. Ça vaut la peine de l'essayer, surtout si vous débutez. Faire un bébé de couleur ethnique ou afro-américaine, c'est vraiment pas si facile que ça avec la peinture acrylique. Si vous utilisez Genesis, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est différent, mais vous avez plus le temps d'estomper, si on veut, les marques. Donc, les couleurs que je vais utiliser, c'est des couleurs que qui ont été recommandées par un artiste qui est sur Patreon. Je ne sais pas si vous connaissez. Patreon, c'est un site où est-ce que plusieurs créateurs de vidéos vont poster des vidéos, puis on demande un abonnement. Ça peut être 1$, 5$, 10$ par mois, puis vous avez accès à un contenu plus spécifique là, selon vos intérêts. Donc j'ai suivi son tutoriel. Naturellement, excusez-moi, le nez qui coule un peu. Naturellement, je ne reprendrai pas son tutoriel, parce que je ne veux pas copier, c'est pas le but. Je l'ai adapté à ma propre façon de faire. J'utilise quand même les couleurs qu'elle a recommandées, parce que je trouve que c'est des belles couleurs qui vont bien, mais je les utilise pas de la même façon qu'elle. Je n'utilise pas nécessairement toutes les mêmes couleurs qu'elle non plus. J'ai adapté ma technique beaucoup. Si vous utilisez les ombres à paupières comme j'utilise, c'est Coastal Sense. C'est pas très dispendieux, vous pouvez les acheter individuellement. C'est des petites rondelles magnétiques comme ça. Moi, ce que je vais utiliser surtout, c'est le Brownstone. Je sais pas si ça va être foncé un peu là, pour voir. Brownstone. J'utilise. Celle-là ici, j'utilise beaucoup, mais il ne reste plus beaucoup. C'est chocolatier. J'utilise celle-là ici qui est Deep Roast. Je ne sais pas les équivalents français, peut-être qu'ils sont marqués sur le site, là, mais. J'essaie de le montrer avec la lumière, c'est pas évident. Hein? Deep Roast. C'est les principales couleurs que je vais utiliser pour les ombres. Naturellement, j'ai les rouges, différents types de rouges et un bleu, un jaune que je vais utiliser aussi. Puis celui que j'utilise pour les creases, là, tous les replis, c'est s'appelle Wild Resin. Un raisin sauvage. En tout cas, c'est un mauve foncé bourgogne un petit peu.
Les rouges, là, c'est un rouge. J'ai un rouge plus vif, puis un rouge un petit peu plus foncé. Il n'y a pas tant de types de rouges que ça, là. Peu importe le type de rouge que vous utilisez. Disons que c'est bon d'avoir un rouge qui est plus froid un petit peu, puis un rouge qui est plus chaud un petit peu. Selon le teint que vous avez, si vous avez une peau, une couleur un petit peu plus rouge, plus chaude. Donc, la première étape, qu'est-ce qu'on fait? C'est la même chose qu'on ferait pour un bébé caucasien. Je vais me prendre un essuie-tout. C'est qu'on va faire les teintes de bleu, les ici au nez, tout ça. On va faire le jaune un petit peu sur le nez. Puis on va faire les veines puis les creases. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Je vais essayer de le faire un petit peu en accéléré pour ce qui est des creases parce que bon, on sait, je vais vous montrer comment l'appliquer là, mais je veux dire, vous êtes capable de faire tous les replis là. Donc pour les ombres, là, le bleu, je tapote un petit peu mon pinceau. Pas besoin d'en mettre beaucoup, là, il est un petit peu poudreux le mien. On essuie un petit peu le surplus. L'important quand on applique la poudre, c'est de ne pas rester au même endroit. C'est-à-dire, on va faire des petits mouvements circulaires ou des mouvements de brosse un peu. On va bouger quand on va l'appliquer parce que ça tache le vinyle beaucoup. Puis si on l'applique à une place et qu'on essaie de l'étendre, après, on ne sera pas capable. Donc, il faut vraiment y aller avec des mouvements. Comme là, il y en a un petit peu trop sur mon pinceau, là. Y aller avec des mouvements qui sont assez rapides. Donc ce que je fais, c'est j'en applique vraiment sur en haut du sourcil, dans le creux, puis je fais une espèce de triangle ici sur la tempe. Je ramène un petit peu en bas. C'est bien important de bien frotter, l'imprégner partout. J'aime pas, on frotte fort. Puis ensuite, vous pouvez enlever le surplus de poudre. C'est important qu'il ne vous reste pas de poudre un petit peu partout parce que ça va tacher. Si vous pensez que vous en avez trop mis, c'est trop foncé, simplement prendre une éponge ou un essuie-tout, tremper dans l'eau, puis vous venez l'essuyer. Vous pouvez aussi estomper un petit peu avec l'éponge. Moi, j'utilise le côté de l'éponge, puis on peut venir estomper les bords si les bords ne sont pas assez estompés. C'est pas plus dur que ça, c'est vraiment. On prend le tour assez vite. C'est sûr que quand on n'est pas habitué la première fois, il vaut mieux se pratiquer peut-être sur une partie de pratique, là, une partie de test. Mais on prend assez vite le tour. Puis oui, ça tâche, mais on peut quand même assez bien l'effacer avec un essuie-tout, une éponge mouillée. Moi, je vais en mettre partout autour de l'œil. J'en descends un petit peu sur la tempe. Puis ici, là, un petit triangle. Si c'est pas assez foncé, vous pouvez en remettre. Mais vaut mieux y aller mollo puis y aller moins foncé, puis quitte à revenir plus tard sur la zone. Que d'y aller trop foncé du premier coup. C'est comme pour la peinture, on essaie de ne pas y aller trop foncé du premier coup. Donc, je vais changer de pinceau. Je vais aller avec un pinceau plus fin un petit peu. Ce que j'utilise comme pinceau, c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est des brosses à maquillage, là, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. C'est des pinceaux à maquillage. Je pense que j'ai fait venir ça de chez Wish. Je vais vous montrer. Mon truc ici. Là. Je sais pas combien il y en avait là-dedans, là, mais il y en avait une gang. C'est des pinceaux à maquillage en différents modèles là, que j'ai acheté à différents endroits. Ça vaut la peine de regarder Wish ou Amazon. Vous pouvez en trouver. Là. Ça prend pas nécessairement du haut de gamme. Là. Ça n'a pas besoin de payer très très cher. Puis utilisez pas vos propres pinceaux à maquillage naturellement. C'est pour peut-être
peut-être pas nécessairement recommandé. Donc on enlève le surplus. Je vais emmener en mettre sur le coin des yeux. Frottez bien comme il faut. Puis on en met un petit peu sur le pont du nez ici. Estompe, frotte, on y va joyeusement, on enlève les poussières qu'il peut y avoir. Ensuite, l'autre place qu'on en met sur le coin des narines. Je descends un petit peu le long de la lèvre. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. J'ai un nouveau trépied. Il faudrait que je le place peut-être plus en arrière de moi, mais j'ai de la difficulté à cause d'une chaise d'ordinateur hein, sur roulette. Si je le mets derrière moi, j'ai peur de l'accrocher quand je me recule. C'est un nouveau trépied, il est un petit peu plus haut que l'autre. Ça permet d'avoir un meilleur angle. Pour si la couleur, ben là, c'est la nuit, hein, c'est le soir. Fait que je fais avec ce que je peux pour si les. L'éclairage, j'ai bien la misère avec ça. Je pense que c'est assez juste comme éclairage. Donc, je sais pas si vous voyez ce que j'ai mis le bleu, là, c'est vraiment sur le coin ici, les yeux. Là, je vais descendre ici sur le coin de la bouche. Naturellement, vous avez probablement pas le même kit que moi, là, donc c'est sûr que ça ne donnera pas tout à fait le même résultat. Vous y allez selon votre kit, hein? Votre kit va vous parler, va vous le dire. J'en mets un petit peu dans les coins ici, dans le creux. C'est important de laisser votre kit vous montrer. C'est drôle à dire comme ça, mais tous les kits sont différents, toutes les sculptures sont différentes. Puis, il y en a qui ont des traits très prononcés, comme lui ici, les coins de la bouche sont très prononcés. Il y en a d'autres que c'est presque inexistant, donc il faut les deviner, il faut les amplifier un peu. C'est vraiment à l'instinct, puis à force d'en faire aussi, vous allez voir. J'en mets un petit peu sur les oreilles, dans le creux. Partout ce que la peau est plus mince, finalement. Parce que c'est un peu ça le bleu, hein? C'est vraiment où ce que la peau est presque transparente. Le bleu vient donner l'effet de transparence. Ça va être ça. Ce que je fais aussi, c'est Frankie. C'est un kit qui est vraiment pas dispendieux de Bountiful Baby. Je pense que je l'ai payé peut-être 20$. Là. C'est pas un kit très très dispendieux, très élaboré. Donc, je vais pas nécessairement porter une énorme attention aux détails. C'est pas une poupée que je vais vendre très cher. Justement, parce que c'est pas un kit très dispendieux ni très recherché. Pardon. Donc, ça me donne pas vraiment la peine de passer 35 heures à faire des détails. Non? C'est sûr que je m'arrange pareil pour qu'il soit réaliste. Là. C'est le but. Hein? C'est le but de ça. On veut qu'il soit le plus beau et le plus réaliste pareil. Mais je vais peut-être pas porter autant de soins, si on veut, de temps sur chaque détail que je porterai avec un kit que j'ai payé peut-être 130$. Là.
Parce que où j'aime mettre du bleu aussi, c'est ici, poignet. La peau est plus mince. On peut en mettre un petit peu au coin des coudes, lui, il n'est pas évident. Il y a comme deux plis. C'est plutôt rare. Puis naturellement, à l'intérieur de la paume de la main, un petit peu ici où c'est le creux de la main. Encore là, on veut pas avoir une main bleue, là, c'est juste pour souligner un petit peu. Vous pourriez en rajouter un petit peu à la base des doigts aussi, si vous le souhaitez. Dans les plis ici. Ça paraîtra pas tellement avec les creases tantôt. N'oubliez pas de bien enlever les excès de poudre. On fait pareil avec l'autre main. Quand j'enlève tous les excès comme ça, mon éponge est sec hein, moi en passant. J'aurais dû le mentionner plus tôt. Là. Quand on enlève vraiment tous les excès de poudre comme ça, on est sûr que ce qui reste, c'est ce qui a taché au vinyle. Là. On ne veut pas avoir de poudre lousse sur notre kit. Là. Si vous le souhaitiez, peut-être pour un bébé caucasien, ça serait plus approprié. On pourrait en mettre sur le dessus de la main un petit peu. Avec un pinceau plus large. Mais c'est pas. Comme c'est un bébé ethnique, là, on le fera pas dans ce cas-là. Pour le pied, si vous avez vu mes précédents tutoriels pour un bébé caucasien, vous savez un petit peu, on en met à la plante du pied dans le creux, puis on s'en revient vers l'extérieur ici. On peut en mettre un petit peu dans le creux de l'os. Lui ici n'est pas très prononcé, mais s'il est plutôt prononcé, on peut en mettre un petit peu dans le creux de l'os un peu. Encore là, vous pourriez en mettre à la base des orteils. On peut en mettre un petit peu dans le coin, dans le pli du genou, là, ici. Ça va paraître plus ou moins là, plus tard, mais c'est pas grave, ça peut donner une bonne petite base. Quand vous terminez avec une couleur, on essuie très bien notre pinceau, on le frotte, s'assurer qu'il ne reste plus de poudre. Ce que j'aime faire, c'est prendre un pinceau différent pour chaque couleur. Ça aide beaucoup. D'ailleurs, je pense qu'il m'en manque un. J'en ai un que j'avais. Je vais prendre celui-là. Même que j'avais perdu. Et ensuite, prochaine couleur, c'est le jaune. Ça, je pense que c'est un jaune maïs. Je sais pas comment il s'appelle, lui. Gold. Fool's Gold. L'or des fous. Le jaune n'est pas tellement important lequel vous prenez, mais c'est sûr qu'un jaune très très clair, très violent, ça sera peut-être pas super beau. Là. Faites attention, le jaune tache vraiment beaucoup. On vient d'en mettre un petit peu sur le dessus du nez ici. Où est-ce qu'on n'a pas peinturé là? On vient en mettre là. Puis
Puis, comme vous essuyez bien votre pinceau, allez-y doucement, le jaune tache. Ça va assez vite qu'on a une belle tache jaune. J'en mets un petit peu sur le dessus de la joue. Partout, je vais amener un petit peu de lumière, si on veut. On va en mettre un petit peu sur le dessus du menton. Ça va amener un petit éclat doré, un petit éclat plus lumineux. On peut en mettre un petit peu là, sur l'os de l'oreille, là, sur l'oreille un petit peu, mais... C'est pas une nécessité absolue non plus. On peut en mettre si on veut, un petit peu. Remarquez que je dis souvent si on veut, hein, c'est parce qu'il n'y a rien d'obligatoire hein, dans un tutoriel. Si vous le faites à votre goût, si vous n'aimez pas ça, vous n'aimez pas le résultat, faites-le pas. Là. Il n'y a jamais rien de... Le but, c'est d'avoir du plaisir et que ça soit un peu à notre goût. Là. J'en mets un petit peu sur le dessus du coude comme ça. Vous pouvez en mettre sur les jointures si vous le souhaitez ou à la base des doigts. Là, je le ferai pas parce que c'est quand même un bébé ethnique qui va avoir de l'ombrage par-dessus. Ça paraîtra pas de toute façon. Je vais en mettre un petit peu sur mes coudes puis sur le dessus du genou. Ça, je sais pas c'est quoi l'espèce de tache blanche qui revient tout le temps. Je pense que c'est peut-être mon médium qui est pas bien dilué. Ça me fait des petites taches blanches. Pareil pour les genoux, j'en mets un petit peu sur juste sur la pointe de l'os qui ressort. Il faut en mettre un petit peu sur les autres pieds. Là. C'est rien pour dire, ça paraîtra presque plus à la fin. C'est vraiment, en anglais, ils appellent ça des undertones. C'est des tons en dessous. Ça dit bien ce que c'est. Là. C'est fait pour paraître en dessous de la peau. Là. Donc, ça pour le jaune. Pardon. Je suis bien mon pinceau. On va faire les veines. Les veines, j'aime y aller plus foncé, par exemple, que... Je suis pas vraiment beaucoup mon pinceau parce que j'ai remarqué que c'est dur de faire des veines qui vont paraître à travers la peau si on n'en met pas suffisamment. C'est sûr que vous allez probablement même avoir à repasser par la suite. Bon, je commence un petit peu au coin de l'œil. Puis on fait des branches, on s'amuse avec les squiggly, là. C'est la partie le fun, les veines. Il y en a tout le temps deux ou trois qui paraissent sur le front. Puis au coin des yeux. Sur la tête. Si vous n'êtes pas certaine du placement, n'hésitez pas à regarder des photos. Il y a des guides aussi sur Google, vous allez pouvoir trouver le placement des veines. Vous devriez réussir à trouver de l'information assez facilement. Là. Parce que même si c'est un bébé afro-américain et qu'il a la peau foncée, on va voir à certains endroits des veines à travers la peau plus fine, par exemple du visage. Donc j'en fais une qui descend de la tempe et qui va au coin des yeux. Mes veines ne sont pas aussi précises qu'avec un pinceau et de la peinture. Mais je trouve qu'ils se fondent plus facilement. Ça donne vraiment l'impression qu'ils sont en dessous de la peau. Puis il n'y a pas de démarcation. Comme avec la peinture, on ne verra pas les rebords qui vont sécher trop vite, admettons. Il y a moins d'erreurs. J'aime beaucoup, beaucoup le résultat que ça donne avec la poudre. Rien que pour ça, je pense que ça vaut la peine.
Ça, vous voyez très bien. Hein. J'en ai une ici, j'en ai... Dans les fronts, elles sont un petit peu moins apparentes. Là. J'en ai une là, et puis une autre l'autre côté. Puis l'autre côté, pareil. Là. Ici. Vous pouvez en faire sur la tête. Gênez-vous pas, surtout si le bébé va être chauve ou va avoir les cheveux peints. Ça va paraître. Pas les cheveux peints, pardon, les cheveux enracinés. Avec les cheveux peints, ça paraît pas beaucoup, mais avec les cheveux enracinés, ça paraît quand même. Surtout s'ils sont pas enracinés très serrés, on voit le fond de la tête un petit peu. Ça, vous les faites à votre goût, vous les envoyez où vous voulez, là, c'est des branches. J'ai essayé de garder en tête un petit peu l'image d'un arbre, des racines d'un arbre, des branches d'un arbre. C'est des petits traits, vous les rejoignez à certains endroits. Ensuite, on passe le pinceau partout, bien important, surtout avec le bleu et le jaune, là. Éviter qu'il y en ait partout. Comme vous voyez, c'est, même si j'ai pas vraiment essuyé ma poudre, là, c'est pas nécessairement très foncé parce que contrairement aux ongles que j'ai fait à l'heure, c'est juste des traits, hein. Donc c'est difficile d'avoir un trait s'il n'y a pas suffisamment de poudre. Ensuite, les mains, ben, même principe que pour caucasien. Donc on part une veine. Moi j'en pars une entre le petit doigt puis l'annulaire. J'en pars une entre l'index puis le majeur. Puis je vais me faire une espèce de petit W dans le milieu. Je vais probablement avoir à les repasser deux ou trois fois. Parce qu'avec les ongles tantôt, ça va disparaître un petit peu. À l'intérieur, je pars du pouce, je m'en vais vers le coude. Je pars du petit doigt, je m'en viens vers la branche que je viens de faire. Fait comme une grecque à l'envers. Puis de cette petite branche-là, je repars vers le bas un petit peu. Encore là, n'hésitez pas à regarder vos mains, ou regarder des photos, ça va vous donner une idée des placements. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois au même endroit, aussi pour que ça tâche bien. Là. Mais ça, faites-vous-en pas trop parce que vous allez avoir probablement à le refaire un petit peu plus loin, un petit peu plus tard. Après avoir fait tout le shading, il va falloir probablement repasser si on veut qu'il paraisse. Il y en a qui en font pas sur un bébé afro-américain. Parce qu'ils se disent de toute façon la peau est foncée puis ça paraît pas. C'est vrai que ça paraît pas tellement. Mais... je trouve que ça fait botcher un petit peu. Il y a quand même des limites à pas se donner trop de mal. Là. Je veux dire, le but, c'est que ça ait l'air vrai. Puis on voit les veines d'un bébé afro-américain. Bon, peut-être pas s'il y a la peau presque noire. Là. Mais c'est rare les bébés là, qui ont la peau presque noire. Souvent, ils viennent au monde, ils sont presque blancs, justement. Il y en a toutes les couleurs, mais généralement, les bébés... afro-américains, ils viennent au monde. Ou même les bébés indiens viennent au monde, sont presque blancs. Ils sont très pâles. Ils foncent un petit peu en vieillissant, donc c'est sûr que si vous faites un bébé plus âgé, ce sera pas pareil. Là. Mais pour un bébé nouveau-né, là. Donc, pareil pour les pieds. Même chose qu'on fait pour un caucasien. Je pars avec le gros orteil, puis le deuxième orteil, je m'en viens un petit peu de côté. Je fais un petit peu comme sur la main, là. J'en mets une qui part du côté du pied ici, puis qui remonte. Donc, je fais le tour de l'os.
Le placement exact n'est pas nécessairement très très important. À moins que vous vouliez vraiment faire un prototype, là. Ça va peut-être être plus important, mais autrement, la plupart des gens ne s'attardent pas à ça. Si vous êtes très perfectionniste, vous allez peut-être vouloir avoir plus quelque chose d'actuel qui ressemble au vrai placement, là, mais ça peut très bien être approximatif, puis ça va être très très bien quand même. Vous pouvez remonter sans faire sur la cuisse aussi, pas de problème. Vous allez remarquer que c'est un petit peu difficile de avec la poudre de faire une ligne. Ça, je repasse souvent au même endroit parce que c'est pas évident de garder la poudre à l'endroit où on veut. En fait, sur la cuisse, vous pouvez en faire ce côté de la cuisse ici. Vous pouvez en faire à l'intérieur si vous voulez. Vous voyez, je travaille assez rapidement, même avec ça. Je suis comme ça, je travaille assez vite. Vous avez tout à fait le droit et le loisir de prendre votre temps, de vous appliquer. Plus vous allez en faire, plus vous allez être rapide aussi, là. C'est que quand on sait où ce qu'ils vont, les veines, on perd pas de temps puis on y va gaiement, là. Donc, la prochaine étape, la dernière pour cette vidéo-ci, ça va être les creases. Donc, vous pouvez prendre un pinceau, soit en long comme ça, ou un petit pinceau fin. L'important, c'est que votre pinceau soit pas trop gros. Je vais avec raisin, wild raisin, raisin sauvage. Puis je vais dans toutes les replis. N'oublie pas le petit coin des yeux, là, c'est votre kit a les yeux ouverts. L'intérieur aussi, la paupière. Le petit rebord, là. C'est important. Vous en mettez partout où vous avez envie de voir les plis plus définis. Comme là, j'en ai mis un petit peu sur le dessus du nez. Vous n'êtes pas obligé, si vous avez un bébé comme ça qui a une petite traîneuse, vous n'êtes pas obligé d'en mettre là. C'est à votre goût. C'est ce qui va définir les traits du visage le plus. Par exemple, si vous avez des marques ici sur le front, vous pouvez choisir d'en mettre, ou si vous avez des bords, là, des fois les bébés ont le front plissé comme lui ici, il y a des petits plis sur le côté. Vous pouvez choisir d'en mettre ou pas.
tout dépendant si vous voulez accentuer un petit peu ce trait-là ou pas. Moi, j'aime bien me servir de la sculpture. Je me dis, le sculpteur a travaillé fort pour faire ça. Et j'en sais quelque chose, je suis en train de sculpter, justement. Donc ça, je trouve que les sculpteurs travaillent très fort pour faire un bébé. Donc, s'il a décidé qu'il mettait des plis à sa thèse en doigt, je veux respecter cette vision-là. Donc, je vais les souligner. Mais c'est pas une nécessité absolue, là. Donc, comme je disais, j'ai commencé un peu à faire de la sculpture, là, avec sculpter polymère clé. Un petit peu comme de la pâte fumeau, là. C'est de l'argile qui est cuit au four, une espèce d'argile plastique, là. J'adore sculpter, j'adore ça. Je trouve que ça fait changement, c'est pas pareil. Je suis très tactile, donc ça me permet d'assouvir le besoin de toucher ce que je fais. Mais la difficulté, c'est autre chose, hein? Si vous trouvez que la peinture, peinturer un reborn, c'est difficile, vous n'avez pas essayé d'en sculpter un. C'est pas quelque chose de donné comme ça, là, puis on va prendre une boule, puis on va faire une tête, là. C'est pas si simple. Si c'était juste des proportions respectées, ce serait déjà pas pire, mais non. C'est plus que ça. Il faut juste donner de la personnalité, c'est quelque chose. Puis en plus, il faut non seulement respecter les proportions, mais... c'est beau, c'est vite dit ça, là, mais il faut être capable de le faire. Là, ce que je fais sur la bouche, là, je fais les creases, mais c'est vraiment juste une première couche, juste pour dire que je souligne. Parce qu'on va y revenir plus tard pour les lèvres. Parce que comme c'est un bébé de type ethnique, là, il y a... Les couleurs ne seront pas tout à fait les mêmes que pour un caucasien. Une petite facette à menton, je trouve ça vraiment mignon. Dans le tutoriel que j'ai suivi, l'artiste utilisait... n'utilisait pas cette couleur-là pour les plis des mains, la paume des mains puis la plante des pieds. Elle utilisait un rouge. Mais moi, j'aime bien cette couleur-là. Je trouve qu'elle est très réaliste. Fait que j'ai tendance à l'utiliser pas mal pour tout. Puis plus tard, les plis les plus profonds, on va utiliser un brun en plus par-dessus. Donc, on considère ça un petit peu comme une première couche. Que c'est pareil pour les oreilles. Je pense qu'elle utilisait une autre couleur que celle-là pour les oreilles, mais au final, ça ne change pas grand-chose. C'est vraiment une question de goût. Par contre, c'est sûr que dans le visage, les bras, les jambes, comme on y va avec les teintes de brun, les replis comme ça, un mauve un peu plus foncé, c'est une couleur qui se marie mieux qu'un rouge pétant, admettons, ou un rose. Naturellement, vous suivez les plis de votre propre kit, là. On n'oublie pas derrière l'oreille. À l'intérieur de l'oreille.
Je vais vous montrer un petit truc après pour les mains et les pieds qui est le fun. Avec. Ce qui est le fun avec la poudre par rapport à la peinture pour les creases, qui est tellement plus simple, plus rapide. N'oubliez pas d'essuyer toutes vos surplus. Estomper aussi à l'aide de l'éponge ou d'un autre pinceau. Je vais prendre un petit pinceau comme ça puis aller estomper les endroits où que votre éponge passe pas là. C'est comme pour la peinture, il faut estomper quand même là. Vous voyez que c'est déjà là, on fait juste le visage, c'est les creases les plus faciles à faire. Puis, ça se fait très bien, très rapidement avec ça. On n'a pas peur d'avoir des plis qui sont toutes pleins de peinture séchée, là. Des fois, ce que ça fait quand nos creases, on est peinture, mais que... On n'est pas capable d'estomper suffisamment rapidement avant que ça sèche. Puis là, on se retrouve avec les plis qui sont tous gommés, pleins de peinture, etc. Ouais. Ça, avec ça, avec la poudre, ça n'arrive pas. Donc, puis on a tout le temps qu'on veut pour les travailler. Si on va en faire 15 à la fois, puis après ça, revenir passer dessus pour les estomper, on peut. C'est vraiment, 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 vraiment plus facile. À ce temps, j'ai adopté cette méthode-là, là, puis j'ai la misère de revenir à la peinture pour faire ça à ce temps. Tellement plus facile. Donc, c'est ce que donne le petit monsieur. Donc, je vais vous montrer avec, avec un pied ce que je parlais avec la technique de tantôt, là. Prenez un pinceau un petit peu plus large. Puis, vous passez partout. Mettez un petit peu plus de poudre. Pas trop non plus, là. Puis, allez-y gaiement. C'est particulièrement bien pour les reel board. Ont énormément de replis là. Pour faire ça dessus aussi. Là vous dites ça y est, elle a tout taché, mais pas tant que ça. Vous allez voir. Prenez une éponge. Mouillez-la un petit peu. Je vais mettre de l'eau là-dedans. Puis vous venez frotter l'intérieur. Les frotter comme ça. Donc, ce qui reste là, c'est du. Ma lumière est dure, pas du bon bord. Puis là, on ne voit plus rien. Bon. Bref, ce qui vous reste, c'est simplement la poudre à l'intérieur des plis. Vous l'essuyez à plat. Ce qui vous reste, c'est la poudre à l'intérieur des plis, tout simplement. Voilà, sont faits. Pas plus dur que ça. Naturellement, vous pouvez venir jouer avec un petit peu après, là, des endroits que la poudre est en allée carrément ou que c'est pas assez estompé à d'autres endroits.
pouvez revenir jouer avec, vous pouvez venir en rajouter si vous pensez qu'il en manque à certains endroits. Mais c'est pas plus dur que ça. C'est le fun, hein? Ça, je vous dis, c'est votre cauchemar, là, les crises, là. Voilà, c'est fini. Fini le cauchemar. Pas plus dur. Vos crises sont toutes faites. N'oubliez pas l'intérieur entre les orteils, là. Mes replis sont faits. Puis, ça m'a pris quoi, une minute? Pas plus dur que ça. Puis ensuite, ben là, vous complétez avec ceux du... le reste. Des doigts, des coudes, etc. Puis c'est pareil à l'intérieur pour la main. Donc, on vient juste... généralement mettre la poudre ou ce qu'on pense qu'il y en a. Puis on essuie. Donc on a enlevé l'excès de poudre qui s'est déposé sur la paume. Puis les endroits où ce que l'éponge ne peut pas aller, c'est les replis. La poudre reste là. C'est sûr que par la suite, on peut corriger avec le petit pinceau là, pour les détails. Là, si, comme je vous dis, s'il y a des endroits où l'éponge en a enlevé plus qu'on aurait voulu ou qu'on a oublié des endroits, on peut repasser avec le pinceau. Mais c'est clairement plus rapide et plus facile là. C'est même pas comparable avec la peinture là. Donc c'est ça pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite un bon travail. Je vous souhaite de vous amuser. Ça vaut la peine, comme je dis, d'investir. C'est rapide. La livraison est quand même pas trop pire. C'est assez rapide quand même. Les prix sont accessibles. N'importe quelle ombre à paupières peut faire l'affaire. C'est pas nécessaire que ça soit cette marque-là. J'en ai une autre. Moi, j'avais commencé avec celui-ci. Je crois que j'avais ça sur Amazon Shiny. Je sais même pas... je sais même pas si c'est bon pour, là, je veux dire, moi je me maquille pas beaucoup, hein. Que c'est un paquet de couleurs comme ça. Donc vous retrouvez des bruns, des rouges, des jaunes. La seule chose importante à se rappeler, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de brillant dedans. Pas de glitter, là, pas de métallique. Là. Ça c'est bien important, ce plein mât. Donc n'importe quelle ombre à paupières mât. L'important, c'est que vous ayez différents types de brun, différents types de rouge, du bleu, du jaune, un petit peu de vert et de blanc. Ça peut être intéressant, du mauve. Bref, les couleurs que vous avez l'habitude d'utiliser en peinture, là, ben, c'est à peu près la même affaire. Là. C'est le même genre de couleur que vous cherchez. Donc, c'est pas nécessaire d'être exactement les couleurs que je vous ai montrées tantôt. Ça va donner plus ou moins les mêmes résultats. Là. À partir du moment où vous avez un brun pâle, un brun foncé, un brun plus noir, un brun plus terre, un plus rouge, là, tu sais, essayez de jouer un petit peu avec ça. Puis, il ne faut pas trop vous stresser avec ça, là, les couleurs. Donc, c'est ça sur le forum de Bountiful Baby aussi. Il y a beaucoup de posts qui parlent de ça. Les pommes pastels aussi, là, les pastels. Puis, les ombres à paupières. Il y en a qui ont fait des listes de couleurs. Donc ça peut vous aider.
Je vais pas écrire la liste de mes couleurs sur la vidéo parce que je veux pas. C'est pas ma liste que moi j'ai fait, donc je voudrais pas avoir des problèmes avec l'artiste en question qui a fait la liste. Je sais pas si elle était disposée à le partager autrement que sur son Patreon. Donc je vais pas y aller avec ça. Mais comme je vous dis, là, c'est pas très compliqué. Là. Quelques rouges, quelques bruns, quelques bleus. Ben, un bleu, un ou deux bleus. Donc ça vaut la peine d'y aller avec ça. Sinon, vous pouvez, comme je vous dis, vous pouvez très bien le faire avec la peinture, votre couleur crease normale. Il n'y a pas de problème avec ça. La seule chose, c'est pour les shadings, les ombres, pour un poupée ethnique. C'est plus difficile avec la peinture. Je donnerai un petit truc, là, des couleurs que j'aurais utilisées en peinture, pareil, si vous voulez l'essayer. Mais pour estomper, là, c'est vraiment pas si facile que ça. Donc ça, j'espère que vous avez apprécié. On va se revoir bientôt pour la suite. La prochaine fois, ça va être autour du blush. Le blushing. Les mains, les pieds, les coudes, les joues. Tout ça. Puis on va commencer le shading. Donc, on se revoit...